Donovan, magicien. Oh, dis-moi c'est quoi tu veux. Stop, tiens, prends la carte tranquille, tu peux regarder et la montrer à tout le monde. Nico, c'est carré. Ok, c'est 8 de pique. 8 de pique, ok. Ouais. Donc, je vais essayer de deviner la carte. Tu sais quoi, regarde-moi. Juste pense à la carte. Ok. Ok. Tu la cries dans ta tête dans 3 secondes. 1, 2, 3. C'est un 8? Non. Non, c'est le 2 de cœur, vas-y, on voit. Ok. Yes. C'est trop flash. Je mélange, ok. Et tu vas avoir le choix, frérot. Attends, juste attends, je la fais remonter. Ok. Et normalement, frère, ouais. Ok. Dis-moi, plier ou déchirer? T'as le choix. Tu choisis un des deux mots. Déchirer? Tiens, frère, fais juste une petite signature ou écris ton prénom sur la carte pour la rendre unique au monde. Avec okay. Le stabilo à l'ancienne. Vlot. Tu vois que la carte, elle est unique là. Il y en a pas deux comme ça. Frère, donc plier ou déchirer? Déchirer? Ok, attends ta main comme ça. En ce cas, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Tiens. Celle-là, c'est la tienne, tu peux la montrer à tout le monde, je t'en prie, vas-y. Je te prends, je teste la vidéo. Ok. Là, pour l'instant, c'est tranquille, écoutez-moi bien. Mm-hmm. Ça va partir en couille. Wow. Pense à la carte que j'en mets, je la connais pas, mais pense à la carte que j'en mets, ok. Au toucher, ouais, c'est un 8. Mm-hmm. De trèfle. Oui. Ok, celle-là, ouais. Yes. Au toucher, tranquille. Ouais, ok, je vais en faire. Je vais essayer d'autre vide de trèfle juste en faisant ça. Attention, 3, 2, 1. Oh là. On voit. Je prends le vide de trèfle. Oh! Oh! Non, j'ai vraiment cru! Moi aussi j'ai cru! Je t'ai demandé avant de plier ou déchirer. Okay. Ouais. Parce que la carte, je vais essayer de la reconstituer. Ok. T'es prêt? Mais j'ai jamais dit que j'allais la reconstituer dans ta main. Mmh. Quoi? Hein? Frère, regarde dans ta main. Mais attends. À tout de suite! Quoi? Le 8 de trèfle, mon pote! Le 8 de trèfle! 120, c'est un des meilleurs tours de ma vie. C'est le meilleur tour de ma vie que j'ai vécu. Ouais, vraiment, je crois. Il est sur Instagram et tout, mais il fait aussi des spectacles. Ah, on regarde juste ça avant. Détends ta main de ouf, détends ta main. Ça a craqué. Allez, au revoir. Allez, ciao. Ciao. À tout à l'heure. Tu penses que je peux le choquer avec 1,50€? Moi, j'y crois à 5%. Ouais, ah ouais, c'est gentil de croire en moi. C'est cool, je vais tenter. Ok. Mets ta main comme ça. Ok. Les gars, je te montre. J'ai 1,50€, ok. Ok. Je vais les mettre sur ta main, tranquillement. Okay. Mets ton autre main, genre par-dessus. Oh, le bâtard, il les a fait disparaître. Je m'appelle le fisc. Ah, il disparaît. Voilà, on a 1,50€, je les pose sur ta main. Et vraiment, ouais, en cloche, c'est ça. En cloche comme ça sur ta main, voilà, comme ça. Et là, tu fermes bien, comme ça, je peux pas les reprendre, tu vois. Est-ce que tu penses sincèrement que c'est possible qu'en faisant ça, je puisse prendre les 1€? Vraiment. Vraiment pas. À mon signal, tu vas faire ça. Ouais. Mais juste avant, je te laisse entièrement le choix. Moi, je suis là en tant que spectateur, je fais rien, je suis posé, je fais rien du tout. Dis-moi juste 1€ ou 50€? 1€. Je te prends les 1, ça va? À mon signal, tu vas faire ça. Ok, vas-y, go. Encore. Tu peux arrêter puissant que t'as plus qu'une pièce, non? Frère, les 1€. Tu regardes là? Tu peux, moi, les 1€, je les ai en main. Ils sont là. Tu peux regarder, t'as plus que 50 centimes. Mais, ouais, sous ma gueule. Les 1€, maintenant, faut les faire réapparaître. Et ils sont là. C'est le début, je te jure, c'est le début. Tu as kiffé. Ou peut-être pas du coup. Oh, what? Oh, ouais. Oh là là. C'est ça, frère? Mec, choqué là. Franchement, c'est le magicien de close-up le plus ouf que j'ai vu de ma vie. Bon, maintenant écoutez, c'est bien beau tout ça, ces petits tours de cartes et tout. Mmh. Mais savez-vous faire vraiment des tours de magie? Moi, tout à l'heure, Mariano a demandé quelque chose. Mmh. Il a demandé si Annie, avec ton foulard, Mariano, mmh, on pouvait changer Annie de 20 ans de moins, tu as dit? Oui, 20 ans. Ok, je te propose 47 ans de moins. Ah, bah, je tente. Bah, moi, je pense que ça va être compliqué, mais surprenant. Ok. Annie, vous me permettez? Je prends ton foulard. Annie, vous êtes prête? Oui. Normalement, vous n'allez rien sentir. Et au son de ma voix, simplement, il va se passer quelque chose avec ce foulard. Annie, attention. À mon signal, 3, 2, 1, fermez les yeux, les copains. Waouh! Wow, mais attends, mec, mais quoi? Trop fort, en fait. Wow, hop là, bien arrivé à Paris. Et voilà. Et bah, merci bien. De rien. Bonne continuation. Mon tournage exclusif Amine et Billy, mais oui aussi. Putain. Ouais, on est là. C'est quoi cette Game Boy, mon ref? J'avais jamais vu ça. Si, il y a le bouseux qui a la même. Eh ben, elle est trop bien cette cam. Énervé de fou. J'ai oublié le concept en vrai. On m'a dit qu'il fallait chier sur un enfant. Je suis pas sûr, c'est pas le même tournage ça. Hein. Ah, c'est peut-être la même. Ouais, c'est au 12 là. Oh, comment ça? Ça va, Gafiro? Tout roule? Tu vas bien? Ça va, Man? Bah ouais, c'est plaisir. Comment ça? J'arrive avec ma Game Boy. C'est une Game Boy? Oh, mais ça fait un fisheye. Mais de fou. On dirait un clip. Il y a un bébé qui dort à l'étage. Okay. Il est gardé par la visiteur. Mais on est ensemble du coup. Oui, oui, ouais. On est à 4. Vous êtes à 4. Ça va être incroyable en vrai. Ouais, vous êtes à 4. Mais ouais, c'est un faux bébé alors.
Non, c'est un vrai. C'est un vrai bébé? Bah ouais. Pour le chatouille et tout, pour le... Mais il peut pas se réveiller par hasard. Non, c'est un faux bébé. Mais attends, mais moi je suis. Bah ouais, je me suis dit pourquoi pas. La nourriture du midi elle est vraiment. Elle est dans la baignoire. Elle est dans un bain là. Je vois ça de ma vie carrément. C'est bon, ouais, c'est la première fois que je vois ça là. Concept, ne réveille pas le bébé. C'est déjà sorti sur la chaîne de Lucas, vous l'avez déjà vu. Impossible que je réveille le bébé. Je suis trop chaud pour ça. Tu vas réveiller le bébé. Ils ont déjà la réponse, mais tu vas réveiller le bébé. Ouais, je l'ai réveillé ou pas? Au moins une fois, tu l'as réveillé. Qui de nous deux a été le pire? Qui de nous quatre? C'est eux. C'est de ce côté. Et encore, je sais pas. Hein. Je vois ce que tu veux dire. Par exemple, avec Lisa, elle rentre. Tu l'embrasses instantanément sur la bouche. Voilà. Il peut plus parler. C'est genre direct. C'est sur une jambe ou c'est plusieurs. Non, par contre, je voulais pas dire ça. Ça, la vidéo, il y a un trait sur moi. Frérot, t'as vu, nous, à chaque fois, on prend le gros objectif là. Non, elle est bien, elle est en fichaille en plus. Ça fait un terrain de foufou. Ça filme là? Ouais. Mais non. Ta peau, elle est vraiment dégueulasse. Elle est en 4K tout ça? Bah, qui voit bien parce que. Parce que c'est grave. Salut à tous, les Joycus. Et ils s'appellent comme ça les Joycus. Ouais. Ça va les Joycus? Je dis la vérité, honnêtement, vraiment. Je dis cash. Tu sens bon ou tu peux, je dis. Ouais. Si, ils sont, on dirait que t'as fait du sport. Non, là c'est ok. Attends, mais c'est ta veste qui. Ah, peut-être. C'est la veste. Non, t'étais fou le premier degré. Ouais. Ah, mais ma veste, elle sent pas bon. Les gars, pourquoi dès que j'arrive à vous, mais j'ai pas envie de te sentir. Fais voir Lucas. Non, mais faut se tester avant ce qu'on va passer en moment. C'est une agression. Mais toi, mais t'es. T'es tout frais. Tu sens mauvais, tu sens mauvais. Gros, t'es en train d'être frais. Je suis le pire, j'ai juste besoin de te sentir. Gros, c'est pour avoir un avis honnête de quelqu'un d'autre. Non, laisse-le se préserver. Non, mais c'est bien de juste le dire honnêtement. C'est vas-y. Tu sens le lot de rose magnifique. C'est le hood. Le hood. Ouais, c'est le cas. Pourquoi lui et moi non? Ouais, mais. Et moi? Toi, c'est. Ah ouais, toi, c'est. Toi, tu sens bon, fort, fort, fort. Tu sens bon? Ouais, le parfum, je sais pas ce que c'est, mais il sent bon. On part sur une base de crème hydratante. Ouais. Voilà. Ensuite, on vient hydrater la peau. En fait, parce que le maquillage, ça détériore les pores. Je suis pas sûr. Non. Ensuite, on va partir sur une base matifiante, du coup. Donc de la poudre, et après on sera pas mal. T'as oublié ça. Corriger les cernes. Exactement. Ah, est-ce que moi elles sont bien là? Quoi que ça va en vrai. Non, en vrai ça va. Ouais, ça va. J'ai envie de jouer à LOL. Voilà, vous m'avez tous les trois chauffés. Oh non. Très gros, tu sais qui. Ok, devinez qui je vais jouer. Tu sais qui tu vas jouer là? Ah, il y a ADC, genre celui qui tire avec le gun. Non, c'est pas un ADC. Ah si, ça peut. Attends, est-ce qu'il peut être ADC? Ah, c'est. Tu parles de Bill, c'est. Lucian. Non. Miss Fortune. C'est raté, pas Miss Fortune. C'est pas un ADC, oubliez l'info de l'ADC. Eh vas-y, c'est bon, j'ai. Prochain tour, j'ai. Attends, c'est Amine. Désolé les gars, je finis le jeu. C'est Ezreal. Non, c'est un match ou quoi? Il a donné un gros indice là. Genre, c'est Timo. Mec, je te jure que c'est Timo, t'es un boss! Tu t'es maquillé toi? Faut dire les termes. Non, je suis juste après. Ah ouais, je me suis dit, c'est rien, arrête à changer. Y'a rien qui change. Non, mais je savais que je me suis dit. Toi, t'as besoin de pas mal de maquillage par contre. Joyka, quasiment rien, il est comme si. Comme à l'arrivée. Joyka, il vient de naître. Attends, tu prends soin de toi quand même, parce que t'as une belle peau. Ouais? Ouais, je fais rien. Fin de tournage, incroyable. Tout était incroyable. Et là, je vais aller voir Billy qui est en train de chier. Là, il y a Billy qui est en train de chier normalement. Ah, pas encore. Tu faisais quoi? Moi, j'ai préparé un truc là. T'allais mettre dans l'eau pour pas que ça fasse de bruit? Ouais, j'allais faire pipi, hein, j'allais pas faire caca. Ok. Je sais me retenir de faire caca pendant au moins 4 heures quand même. Mais là, il y a 4 heures. On a mangé. Il y a 4 heures. Oui. Là, on a dépassé le stade où tu peux te retenir. Tu veux que je te laisse tranquille, Billy? Bah non, je peux rester tranquillement. Top. J'ai des pétards à te donner. C'est vrai? Oui. Je vais aller m'amuser alors. Regarde, c'est un paquet de pétards. Ouais. Et c'est les démons, c'est les tout premiers pétards. Et c'est ceux qui ont été les plus plébiscités. Oui, et bientôt, ça se revendra très cher sur StockX. Parce que c'est les tout premiers pétards, comme pour les premières éditions de cartes Pokémon. Ah ouais, parce que j'ai le souvenir quand j'étais petit, mais j'en ai pas revu. Donc ça veut dire que là ça cote sur StockX? Ça commence à Los Angeles, là, LA, California. Et c'est un pote de moi de là-bas qui dit qu'il est en train de monter en côte. C'est un pote de la PAC? De la BAC. C'était Arch, t'en as pensé quoi? Oh, j'allais maintenir. Tu rajoutes le corps de Mastu sur le mien? Mais mec, t'as un corps par contre. Non, t'as mis une photo sur Insta qui a choqué beaucoup de gens. Tu rajoutes celui de Mastu. Mais qu'est-ce que tu veux rajouter? C'était archi bon mec. Mais vraiment, c'est trop drôle. Ça m'a fait plaisir là qu'on retourne un truc, c'était vraiment chouette. Bête de tournage. Ouais, j'ai pété des pétards. Qu'est-ce que je fais? J'en ai volé quelques-uns. Prochaine vidéo, l'autre, tu fais des pétards dans le. Oh, ça peut être complètement ça, tu sais. C'est Billy, il m'a dit que c'est à côté sur StockX là. Il y a un pote à Los Angeles qui m'a dit que
apparemment ça cotait sur StockX. Et j'ai l'impression plus qu'il voulait que je sorte des toilettes pour qu'il fasse caca. Sur StockX. Ouais. Oh la dinguerie, ça monte à combien? Bah je sais pas, il m'a dit il y a juste un pote de Los Angeles. Attends, je vais redemander. Billy? Oui, je suis aux toilettes. Tu m'as dit que c'est un pote de Los Angeles? Oui, de California East. Ok, c'est ça. Il m'a dit c'est un pote de California East. Ah bah ils s'y connaissent trop bien là-bas. Donc ça je peux le revendre sur StockX? Ouais, 500 ouais, ouais, c'est ouf mec. Ça tu peux avoir un Draco Holo je pense avec ça. Bon, si vous voulez arrêter les Tinder à swipe machin et qu'il se passe jamais rien, les Chinois barbus, valeur sûre. Il a réussi à me gérer. Il a réussi à te gérer? Il a réussi à me gérer, il est venu, il m'a parlé en 2-2, j'avais envie de... Son galoche. Il t'a dit quoi? Non mais il m'a dit tout ce que j'aimais le plus. Mon plat préféré, les lasagnes, il a tout deviné. Sans te connaître. Non mais c'est pas mentaliste hein, c'est faux, t'as raison. Il permet de révéler la puissance de ton âme. C'est lui. Bonjour, c'est toi. Tu révèles la puissance de ton âme. C'est ça. Mais comment ça, je deviens de quelle plus puissant manière après toi? Je deviens plus puissant. Bien sûr. Chef, ouais. j'ai dit que t'avais réussi à me gérer et personne ne me croit en vidéo. Est-ce que tu peux essayer de me gérer en une minute? Vas-y. Une minute. Parce que tout à l'heure, t'as réussi à me gérer. Tu m'attires. Oula. Bon. Si moi je devais le gérer. Sachant ouais, qu'on a un petit film. Augmenter tes chances. Tu me sens. Pour l'instant, je te sens moyennement attractif. Les gars, il y a un label roumain. Tu me ressens plus là, normalement. Pour l'instant, ouais, je ressens quelque chose. J'ai un truc qui se dessine. Toi aussi, tu ressens plus quelque chose en moi. Plus centré. Je suis plus centré. Ouais. Là, t'es centriste. Ouais. Bah écoute, Joyka, voyons-nous à Angers. Ok, ça me plaît. Tu m'as dit qu'il y avait un nachos à côté. Il y a un nachos et généralement, je pourrais former le burrito bœuf. Bah vas-y, on va faire ça, on va faire ça bien. Tu prends la même formule que lui? Non, je vais prendre un kebab au nachos. Nachos. C'est... Ah mais ça c'est un peu comme les cignastros, généralement ceux qui mangent kebab nachos et burritos de côté, c'est un truc qui match assez. C'est complémentaire assez, oui. Ouais. On est totalement ouais, opposés, ouais. Hop, ça match fort. Ouais. Et moins c'est plus égal à moins. Ouais, je ressens ouais, ça en physique, coup, en cinquième. Ouais, ouais. Du coup c'est pour ça que vous... Ah parce que je m'y connais un peu. Bah je voulais juste sentir ton cul mais merci. Je t'ai embrassé les... Quel type de gars ou de femmes même peuvent avoir besoin de tes conseils? Si t'as des blocages, si justement tu sens que t'arrives pas à t'exprimer, à exprimer ton intérieur, si tu sens que tu as du potentiel, des capacités, mais justement que t'arrives pas à les projeter à l'extérieur, que les gens te voient, que t'existes, et ben justement tu peux me contacter. Mais du potentiel pour faire l'amour à des gens? Pas nécessairement, juste... Que ce soit des relations amicales ou amoureuses. Socialement, ah, oui. Ouais, intimement. Ah, en fait, quoi. Tu m'aides à m'épanouir, quoi. Que tu sois bien avec toi-même. Bref, t'es bien avec toi-même, t'es bien avec, les autres. C'est vrai qu'il faut être en paix avec soi-même avant de chercher la paix avec d'autres gens. Et là, c'est l'aventure un peu, je vous explique rapidement. Datis, je suis avec Datis, qui était sur le tournage aujourd'hui. Et en fait, là, mon train, il est imminent. Et du coup, on est obligé de faire taxi plus taxi-moto. Et dans Paris, je me chie dessus un peu. Et avec ton scooter, tu vas partout, Datis? Et j'étais dans le train là pour rentrer à Angers du coup. Tournage fini à Paris. Bien passé, j'ai eu mon train, tout s'est bien passé. Tatis il a géré, il a pu m'emmener à l'heure. Et il faut que je vous raconte un truc là. Et c'est trop lourd en vrai. En gros j'étais dans le train et je regardais Twitch. Parce que du coup Squeezie il était en émission chez Domingo ce soir là. En popcorn du coup. Je regardais et là je reçois un message de mon père qui m'envoie un WeTransfer. Il m'a dit regarde, je t'ai envoyé un WeTransfer et tout. Et en fait c'est des anciennes vidéos. Parce que mon père, faut savoir qu'il filmait tout comme beaucoup de papas en vrai, comme beaucoup de darons. Il filmait toute notre vie avec un caméscope à la main comme ça. Vous connaissez cette position là. Voilà. Il filmait tout comme ça avec un caméscope à l'ancienne. Et il arrivait pas à récupérer les fichiers dessus. Et ça fait des années et des années et des années qu'il dit putain, faut que je m'achète un truc. Du coup, je lui ai acheté ce truc là. Et c'est arrivé, ça a été livré aujourd'hui. Et du coup, dans le train, il m'a envoyé deux vidéos de moi, mais quand j'avais peut-être 10 ans quoi. Du coup, mon père, ça faisait des années qu'il avait un caméscope avec des cassettes et il pouvait pas récupérer ce qu'il y avait dessus parce qu'il avait pas les outils qu'il fallait. Bref, je lui ai acheté le truc qu'il fallait. Il a réussi à retrouver des trucs et il m'a envoyé un lien où il transfère tout à l'heure avec marqué Disney et un autre truc, c'était à la neige ou je sais pas quoi. J'ai regardé les vidéos, ça fait bizarre. Mais je suis trop content qu'il ait gardé ça en vrai. La première chose que je lui ai dit merci d'avoir filmé ça. Franchement, c'est tellement étrange comme sentiment de se voir tout petit et tout. Je sais pas, j'avais l'impression déjà de pas me reconnaître et comme si je savais que j'avais vécu ça. Je savais que j'avais vécu tout ce que je voyais dans les vidéos. Je vous mets un petit extrait là maintenant. Hop, pas plus. Écoutez ce qu'elle m'a dit ma mère. Parce que pour eux aussi en fait, ils ont pas revu ces vidéos depuis qu'ils les ont filmées en fait. Ouais mon petit lapin, hein, comme c'est bien les vidéos d'avant. Hein. N'empêche que moi j'ai adoré aussi. T'as vu quand j'étais sur le manège avec toi? Je sais pas si t'as encore vu cette vidéo là, mais elles sont trop géniales. Même quand t'étais dans la neige, t'étais fou de la neige. J'ai remarqué deux choses. Avec 2 minutes de vidéo que j'ai vu, c'est que j'étais hyper actif, 100% sûr, et que j'aimais la neige, j'aimais fort la neige. Ça m'a fait bizarre, je voulais partager ça avec vous. Voilà, je partageais ça, c'était la pensée de fin de journée après le tournage ultra lourd que vous avez vu sur la chaîne de Squeezie avec Amine et Billy et Lucas. Bref, c'était archi lourd.